Hey, salut la belle gang, j'en profite pour faire une vidéo pendant que Marie-Dila, notre super mannequin de Hollande, est avec nous à Bali. Donc, vous avez été plusieurs à me poser des questions, c'est ici que j'y réponds. Dans ce sens, c'est important de comprendre rapidement comment est fait le vêtement. Il y a quatre, en fait, c'est un patron zéro déchet, c'est deux grands carrés. Et il est fait en tencel. J'ai aussi un produit offert en bambou qui est plus pour le 4 saisons. Le tencel, c'est vraiment pour les tropiques. Mais à Bali ou en Amérique centrale, optez pour le tencel. Donc, tencel, plante d'eucalyptus qui offre une douceur exceptionnelle, antibactérien, anti-odeur, très performant, mais au naturel. Donc, c'est important de comprendre que sur les bretelles, il y a quatre boutonnières. Et il se cache aussi des boutons de coconut à l'intérieur, ici, ici et sur les deux côtés. Alors là, il y a une infinité de possibilités ici. T'sais, on peut aller attacher nos boutonnières ici, on peut décider de faire une boucle, on peut le mettre très haut, on peut le mettre très bas, on peut le descendre même jusqu'en salopette. Et on peut aller croiser en avant, en arrière, en rattachant en fait, par exemple, si je fais un exemple, on va aller attacher le bouton ici et on va aller attacher le bouton ici. Alors ça, c'est important pour moi de vous l'expliquer. Et puis, il se cache aussi ici, une bande boutonnière qui se rattache au bouton de bambou ici. Et hop, de chaque côté, elle se retrouve ici, en fait. Et là, on va avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6 boutonnières. Et là, encore une fois, ça amène une infinité de possibilités. Je vais vous montrer quelques trucs aujourd'hui parce que vous m'avez posé des questions. Je vais vous montrer ça aujourd'hui. Donc, deux grandes poches latérales aussi. Puis, à l'intérieur de ça, il y a une poche pour le passeport, puis il y a une poche pour le téléphone mobile. Et ouais, ici, dans le fond, passeport. Et ici, le téléphone qui se cache ici. Et il y a la petite poche secrète ici pour une carte. Donc, en gros, c'est ça. Puis, on a même deux petits trous ici pour passer la bande, comme ça. Si on veut faire une ceinture, par exemple. Puis ça remonte le jumpsuit, en fait. C'est comme ça qu'on fait une petite robe ballon avec ça. Alors, pour une petite démo rapide, on m'a demandé de vous montrer la longue robe, en fait. Alors, je vais inviter Marie-Dila to put your two legs in the same... Here we go! Donc, ici, on va aller mettre le bras dans la seconde jambe. Et on vient vraiment faire comme ça. Donc, vous voyez ici. Et on attache tout simplement tout ça en arrière. Je vais te demander de tourner comme ça. Voilà. Tout simplement. Et là, ça fait l'effet longue robe. Et on peut aussi rapetisser la manche. Parce que, tu sais, plus tôt, je vous ai parlé là, de la bande qui partait d'ici, mais il y a deux petites attaches pour rapetisser la manche ou la jambe, tout dépendamment. Donc, vous voyez, ici, comme ça. Et là, et voilà. On peut rapetisser sa manche. Et toujours accès à sa petite poche pour mettre argent, carte ou quelque chose. Là, on peut aussi décider de aller chercher une bande, la bande ici. Comme ça. Où es-tu? On vient chercher la bande ici et on va aller chercher la bande ici aussi, que je vous ai montré qui était cachée sous le bras tantôt. Et là, c'est là qu'on va aller créer quelque chose qui convient avec notre corps. Peut-être que si tu veux tout turn, like this, whoop, whoop, whoop. Et voilà. Alors, un petit look. Un peu plus... Alors, vous étiez beaucoup à me demander comment on faisait ça. Alors, voilà. On fait comme ça. Tu sais, on le place comme, comme on a envie. Merci!
Ciao.